peux pas m'en servir vivant. Je dois faire vite. Je vais disparaître. Essayons celui-là. T'inquiète pas, on va s'occuper d'appeler les secours. Ouais. Il va bien, ça a l'air sérieux. Hé, j'ai plus du tout de réseau. C'est quoi ça? Alors comme ça, mort. Qu'est-ce que... Allez, gamin, j'ai besoin de ce corps. Maintenant. C'est quoi, cette voix? Eh, faut que tu compliques les choses, en plus. Je suis avec toi, c'est pas ça qui t'arrêtera. Alors secoue-toi! C'est quoi ça? Il y a quelque chose. Là-bas. Boucle-la! Plante-toi, vite! Allez, qu'est-ce que t'attends? Vos âmes seront purifiées et deviendront le fondement du monde de demain. Un réceptacle adapté a été préparé en prévision de votre arrivée. Il est temps de vous rassembler. Des plus nobles vous attendent.
C'était quoi, ça? Ça, c'est l'ennemi. On se bouge! C'est quoi, cette histoire? T'étais qui, au juste? Arrête un peu de te débattre! Ce corps m'appartient désormais! T'es déjà mort, gamin! Si je quitte ton corps, t'es foutu! C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas comme si t'avais le choix. Obéis! Je peux pas! Je dois absolument faire quelque chose. Tu crois que tes problèmes m'intéressent? Si tu préfères pleurnicher sur ton sort, je me trouverai un autre corps. Et ce sera la fin pour toi. Où ça? Y'a personne. T'as pas tort. Écoute, je sais pas ce que tu veux, mais t'es dans mon corps! Je refuse de suivre tes ordres! Ok, mon grand, tu veux la jouer comme ça. Il est temps pour moi d'en finir avec toi. Ça... Cela... Merde! Je te laisse tranquille pour le moment. Mais oublie pas que ta vie est entre mes mains. Si tu commences à me les briser, tu te débrouilleras sans moi. Pigé, maintenant avance! Je suis pas ton chien! Salut tout le monde, c'est Neval, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le début du let's play sur Ghost Rider Tokyo. Alors, qui s'annonce pas trop mal, un peu spécial mais pas trop mal. J'ai mis le jeu en qualité graphique avec le ray tracing, donc 30 fps. On verra si les 30 fps sont chiants. Pour le moment, je sais pas. Et voilà, et j'ai effectivement mis le jeu en français, simplement parce que à chaque fois j'ai voulu regarder des vidéos sur le jeu pour un petit peu voir. C'est toujours en japonais. J'aimerais bien un petit peu qu'on rende hommage aux voix françaises. Un petit peu, s'il vous plaît. Je devrais pouvoir le faire. Donc je ferai le jeu en français comme je le fais de toute façon à mon habitude. C'est quoi ça? Impossible de fuir. Fais ce que je te dis si tu veux survivre. Au secours. D'abord, concentre l'énergie au bout du couloir. Ensuite, relâche d'un coup. Hein? Bien. Continue comme bien, ça. Bien, ouais. Je pense à bloquer. À bloquer? Comment on bloque? Maintenez L1. Pas mal. Occupe-toi des autres. Ah ouais. Alors l'autre là, par contre, il est petit, hein. C'était quoi, ça? Ce pouvoir? Si j'avais pas été là... Ces choses t'auraient fait la peau. Par contre, je sais pas si vous le voyez, moi je le sens. Gamin, t'avais pas quelque chose à faire? Si. Je dois aller chercher ma sœur. Les 30 FPS, ils sont durs. Regardez. Je sais pas si vous remarquez normalement, oui. Vous voyez les petites chutes d'FPS là, regardez. Voir ta sœur, c'est ça? Tu m'es... Excusez-moi, on va juste régler ça tout de suite. Je préfère un jeu moins beau mais qui est fluide qu'un jeu. C'est performance, hein. Très fluide avec une fréquence d'image, machin. Ok, c'est bon. Donc. Et on va juste faire un truc aussi, c'est augmenter la sensi. Attendez, hein, parce que... Alors la sensi, on va y aller, hein, parce que, bon... Les sensibilités de nouveau-né... Voilà. On va tenter ça comme ça, on verra bien. Excusera si j'ai pas envie de parler au type qui a essayé de me posséder. Ok. Et puis, t'es quoi d'abord? Quoi d'abord? Je te dirai ensuite. Bon, je vous cache pas que c'est un peu dommage, on voit que le jeu est moins beau, mais... C'est pas beau à voir. Je pensais pas qu'il y aurait autant de dégâts. Mais je pense que c'est mieux quand c'est fluide, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je pense que c'est mieux. Pour l'instant, j'ai un peu peur d'aller fouiller partout. Vu que je pense que c'est le tutal, on va...
On va se contenter d'y aller tranquille, je pense. Ouais. Et on peut sprinter, j'allais dire, on peut sprinter, oui. J'aime bien le côté un peu lent du gameplay, vous savez, le personnage il est quand même assez... Bah il est lent quoi. Ça allait, c'est une Borderlands le jeu, y'a plus personne, y'a que moi. On y est. C'est quoi ce truc? Une substance de l'au-delà. Elle s'échappe de notre côté parfois. Essaie de donner un coup. Pour voir. Fais-tu une frappe? Bouquet! Bien. On dirait que tu peux absorber le pouvoir de ces trucs. Bon. Alors, éther et éther cristallisé. Vous trouverez parfois de l'éther cristallisé. Détruisez-le avec tissage d'éther, R2, ou avec une frappe. Vous briserez ainsi le dépôt et libérez une pluie d'éther. L'absorption d'éther restaure les PM, l'énergie utilisée pour le tissage d'éther. Vaincre des visiteurs permet également de récupérer de l'éther. Bon, c'est de la mana, quoi. Ok. Alors, disparition. Ta sœur est hospitalisée ici? Ouais. Ça tombe plutôt mal. Sa chambre est au 4e étage. J'aime bien l'ambiance, je vous cache pas, c'est un jeu où je vais prendre mon temps, hein. C'est-à-dire que bon, je vais pas non plus... Carte de patient, ok, veuillez présenter votre carte d'assurance, ok. Quand je dis je vais prendre mon temps, je vais pas regarder chaque recoin, mais vous m'avez compris, je vais pas me précipiter à sprinter dans tous les sens. Où est-ce que je veux dire? On va jouer tranquille. Alors, reviens vite, la fumée blanche de l'entrée, ça pourrait être toxique. Ouais, bah, ça la merde, hein. Bon, par contre, on est poli, on prend rien, c'est terrible, quoi. Vas-y, une petite soupe, là. Alors, je n'y connais rien en culture japonaise, hein, je vous le dis tout de suite. Si ça parle d'un truc que vous connaissez, moi, je n'y connais absolument rien en culture jap. Je suis désolé. Des âmes qui ont été séparées de leur corps. Pourquoi? Pour les emporter dans l'autre monde. Ou simplement les dévorer. Bref, on ne peut plus rien pour cette âme. Ça reste à voir. Attends. Ces choses ne nous ont pas encore remarqués. Essaie de les contourner. Sans faire de bruit. Ok. Oh ouais, un petit finishing move dans son cul. Ne pas se laisser dominer par la peur. Ouais. Tu commences à te faire à mon pouvoir. Je l'ai appuyé. Accumule XP améliore le niveau de synergie d'Akito. Avec ces nouveaux pouvoirs, l'XP s'obtient en battant les ennemis. Ouais. En gagnant un niveau, vous augmenterez vos PV max et recevrez des points de compétences d'esprit utilisables pour débloquer des compétences dans le menu. Compétences. Ça s'est ouvert tout seul. Ok. Alors. Apprendre des compétences d'esprit. Gagner un niveau de synergie ou 3 des points de compétences d'esprit. Vous pouvez voir vos points de compétences actuels et les dépenser dans le menu compétences. Les chemins bloqués nécessitent un Magatama pour être déverrouillés. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Désormais accès au menu compétences. Et, ok, donc là je suppose qu'on va prendre un truc obligatoire. Donc il y a 3. Ok, on a 3 trucs. Permet de lancer tissage rapide faible. Ok, il veut que je prenne quoi? Ok. Permet d'effectuer des attaques chargées. Tissage d'éther, maintenir R2. Ok, bon, classique quoi. Et voilà, super. Toi je peux charger mes attaques. Sois prudent, c'est machin. T'inquiète pas, maman, je suis à l'hôpital, je vais m'en sortir. Dans les endroits comme celui-ci. C'est quoi ces trucs? On appelle ça des visiteurs. Bref, tâche d'être vigilant tant qu'on est ici. Elle est où la meuf? Parce qu'on a vu monter. Hein. J'ai même pas regardé si on peut ouvrir les portes, non. Bon, essaie de charger ton coup cette fois.
Ah oui. Là, arrache du cœur. Bon travail. Mais ça se peint. Tu peux considérer ces trucs comme leur cœur. C'est super. Arrache-le, et c'est fini pour eux. T'as trouvé des trucs utiles ? Yakitori. De la nourriture. C'est pas le moment de faire le difficile. Tout est bon à prendre. Ouais, pas faux. Alors, récupérez la santé grâce au consommable. Maintenez triangle, utilisez un consommable. Vous pouvez restaurer votre santé en mangeant ou en buvant des consommables. En plus de vous redonner la santé, chaque consommable vous octroie une légère augmentation permanente des PV max. Utilisez votre consommable à partir du menu inventaire pour utiliser rapidement en cas de besoin. Fais gaffe, ils sont là. Recharge ton énergie avec l'éther cristallisé. Bon, quand il est accroupi, de tension. Hein. Attendez, on va le tuer, on reviendra fouiller après. Par contre, j'entends comme s'il avait un à ma droite, mais... Ouais, ils sont beaucoup un peu les mêmes, non? Attendez, battons-nous, on verra après. Coucou! Oh, je kiffe l'ambiance. Je vous jure, j'adore l'ambiance. La troisième, on l'a vu aller là, mais je sais pas où elle est. Elle est à gauche, si je me fie au son. Jusqu'à gauche. Vu qu'elle est assise, je peux la goumer ou pas? Non. Encore le cœur. Femelle. Je vous cache pas, les sensations sont... Bah attendez, pourquoi le truc il reste chargeur, j'appuie pas sur le bouton? Alors attendez, je teste un truc. C'est bizarre. Parce que j'appuie plus dessus et puis là... Ok. Ah, ça se fait tout seul, d'accord. Ça, en fait, ce que vous voyez, c'est pas moi qui appuie. Hein. Ouais, au cas où vous vous posez la question. C'est pas moi qui appuie. Je disais, ouais, les sensations sont très bonnes en plus. On a les retours haptiques qui sont très bons. Niveau gâchette et tout. Autant, comme je l'ai déjà dit, des fois je trouve que les gâchettes haptiques, je suis pas un grand fan. Enfin, des fois je trouve que c'est une fausse bonne idée un peu. Genre dans les jeux comme Borderlands ou Far Cry ou Tinetina plus récemment. Enfin, surtout Tinetina. Où à force d'appuyer sur la gâchette, tu sais, t'as mal au doigt. Que dire, tu passes ton temps à tirer, t'as mal au doigt, c'est pas ouf. C'est mieux les jeux qui utilisent réellement la gâchette, quoi. Comme Ratchet & Clank, pour ceux qui ont fait. Après, bon, chacun son avis sur l'haptique, hein, vous savez. Ce n'est que mon avis personnel. Cloche. C'est quoi ça? Ça me rappelle un film. Vous savez, où les gens, ils sont évaporés, mais tous leurs vêtements sont restés sur place. Bon, je me rappelle pas le nom du film, bien évidemment, mais... Ne baisse pas ta garde. Bon, c'est pas un jeu d'horreur, hein, le jeu, pour ceux qui se posent la question. Il y a une ambiance, hein, mais... Mais je veux dire, c'est pas un jeu qui est fait pour te faire peur. Hein. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ah bah. Juste pris un peu d'avance, sans faire exprès. Bonjour, madame. Madame? Qu'est-ce qui se passe? Ouvre l'œil. Super. Parce que là, ça va être du sérieux. Ok. Alors, je voulais vous proposer hein, le gameplay en 4K, mais impossible. YouTube, en fait, ne veut pas encoder les vidéos en 4K, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait les tests avec Tinitina, ça veut pas. Marie. Ok, donc je suis vraiment désolé, je peux pas mettre les vidéos en 4K directement via la PS5 parce que c'est une histoire de format, je vais vous passer les détails, hein, mais bref. Donc je suis désolé, vous aurez les jeux en 1080p. 60 espaces. Marie ! Du calme ! Tu savais ! Tu peux pas te fier à tes yeux. Bon, c'est dommage qu'on ait plus le ray tracing, je m'excuse, mais c'est le jeu, il est pas stable.
notre côté. Et pourtant, tu es bel et bien en vie. On ne pourrait rêver meilleure observatrice. Et ainsi, mon plan se réalise. Laisse-la tranquille. Et tu es... un humain. Il y en a un autre. C'est toi. Pauvre idiot. J'ai libéré ton esprit de sa prison. Et tu t'accroches encore à ta pauvre vie pathétique. C'est exact. Pour t'arrêter. Fascinant. Serait-ce par pure volonté? Hélas, notre différend devra attendre. Je t'ai dit de la laisser tranquille! Oh, je vois, tu es son. Ne crains rien. Je serai son salut. Bien. À moins que tu essaies de changer ça. 3 secondes se sont écoulées dans le monde réel. Un souffle de plus et ce sera la fin. Non. C'est trop tôt. Il existe une solution. Laisse-moi ton corps. Je sauverai ta sœur. Il faudrait que je te croie. Je ne te force à rien. Mais si tu meurs, elle sera à la merci de cet enfoiré. Point barre. Est-ce que je vais disparaître? Aucune idée. T'as plus qu'à prier. Elle s'appelle Marie. Et moi, Akito Izuki. Ah. C'est l'heure des présentations, maintenant? Bien. Moi, c'est Keikei. J'utilise plus mon nom. Keikei. Tu dois aider. Marie.
Et elle me fait la morale quand j'oublie de fermer. J'hallucine. Allez, reprends-toi un peu. Je suis toujours là. Remercie ta bonne étoile. T'as l'air en forme, champion. Mais la ferme! Alors, tu vas me laisser utiliser ton corps? J'ai jamais dit ça. Jamais. Et... je suis toujours là. Hé, hey, tu reviens sur notre accord? J'ai jamais dit ça non plus. Si tu le dis, je commence à prendre mes aises, moi. Où est-ce que cet enfoiré a bien pu emmener ma sœur? Eh bien, pour que son plan fonctionne, il doit accomplir un grand rituel. Donc, il nous suffit de trouver où... Du calme. Il pourrait te tuer en un claquement de doigts. Tu dois y aller mollo. Mais d'abord, on doit aller quelque part. Ok. Je vais passer par là. Ok. Bon, ce jeu est tout plein de métaphores, hein, comme vous le constatez. C'est intéressant, en tout cas, pour le moment. J'aime bien. J'aime bien. L'ambiance est cool. C'est cool. Alors, chapitre de trouble. Je sais pas combien il y a de chapitres. J'irai voir, juste pour me faire une idée. Je sais même pas combien de temps dure le jeu. Je dis franchement, je me suis pas spoilé, en fait. J'ai vu que du gameplay. Il y a plus personne. Ils sont tous disparus. Sans doute. Et si leur plan fonctionne, il sera impossible de contacter qui que ce soit à l'extérieur. Ça fait longtemps que tu traques ce type? Ouais. Mais ça m'a pas empêché d'y laisser la peau. Assez bavardé. Allons-y. Direction Yugenzaka. Est-ce qu'on peut voir la map du jeu? Ah, voilà. Est-ce que c'est toute la map? Si c'est toute la map, c'est pas... Ouais, j'ai l'air c'est pas si grand que ça. Après, c'est toujours pareil, hein. Ça dépend l'échelle à la vitesse où tu te déplaces, quoi. Enfin oui, l'échelle de la map rapport à vos vitesses de déplacement, quoi. Le brouillard est encore là. Évite de t'en approcher, ce truc est dangereux. Des infos que je sais, il y a beaucoup de... il y a pas mal de quêtes secondaires apparemment qui sont très intéressantes. De toute façon, on fera tout, hein. Je vais être honnête avec vous. Bon, on récupérera peut-être pas tous les collectibles, hein. Ça, c'est pas mon truc. Mais on fera les quêtes secondaires, tout ça, enfin... vous en faites pas. Excusez-moi. Deux petites secondes, il faut toujours qu'il y ait un souci. Je n'ai pas mute mon téléphone, excusez-moi. C'est terrible, hein. Vous savez, c'est le genre de numéro qui vous emmerde à l'infini, vous savez. Les gros casse-couilles de base qu'on sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà, bah c'était ça. Je suis désolé, excusez-moi. C'est quoi, ça? Allons jeter un œil. Regarde qui est là. Ils sont sur notre route. Élimine-les. Manquez, j'en prefère ça au KK. Smokey, bouquet. Tout dans le zex. Bonsoir. Oui. Bon, je suis bien chargé. Ouais, non. Eh, c'est beaucoup trop stylé, hein, je vous jure. Manque plus que le portail. C'est un portail, ça?
Et je vais faire courir. Ok. Oh, je fais un final flash. Si. Ok. Parfait. On peut encore purifier les portails. Si. Jette un œil dans le sanctuaire. Oh ouais. Des Katashiro. Une série de clochettes fixées sur un bâton qui fait sonner les prêtresses des sanctuaires lors des danses rituelles. Kagura. Ça nous sera utile. On en a fini ici. C'est son bout de papier, lui, il est con, lui. 10 Katashiro obtenus. Je sais pas ce que c'est. Faut aller là-bas. Ok. Bon, ça sert que si j'ai besoin de mana, hein. Donc en vrai, j'ai pas besoin de tout péter quand je suis à fond. Oh, un chien! Pourquoi il aboie? Là, regarde. Je peux pas tourner la caméra. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un esprit. On peut s'en charger. Il est encore possible de les sauver. Ces choses ont déjà fait assez de dégâts dans cette ville. Il est mort? Non. Mythoman. Je t'ai sauvé. Comment on fait pour le sauver? Sauver les esprits. Ah, ok, ça se fait tout seul. Le brouillard a dû les changer en esprit. Voyons si on peut faire quelque chose. Je peux pas bouger la caméra, hein, parce que c'est Katashiro pour voir. Ok. Ils ont été aspirés. Ça a l'air de marcher. Passons à la suite. Faut qu'on trouve une cabine téléphonique. Ça existe encore? Fais ce que je te dis. Mais du coup, j'ai utilisé un des papyrs. Donc si j'en ai plus, je vais dans le cul. Cherche une cabine téléphonique. Qu'est-ce que c'est que ça? La thune! Meika, c'est une vraie monnaie, ça. Explorant Shibuya, vous trouverez parfois des cristaux d'éther jaune qui vous donneront des Meika une fois brisés, utilisés à votre avantage. Je sais même pas ce que c'est comme monnaie. Je vois pas la machine. C'est quoi ça? C'est un esprit, non? Mais bien sûr. Ah, on peut se trouver des esprits comme ça, d'accord. Un chien! Encore. La bouffe. Salut chien. Bon, je trouve la cabine. Okay, bon, les chiens, ils sont cool. Décroche le combiné, je vais nous connecter. Bon, c'est quoi ce... C'est Ed qui a fabriqué ces trucs. Tiens le Katashiro devant. Ok. Tous ceux qui ont été transformés par le brouillard reviendront à la normale une fois expédiés. C'est quoi ce truc? C'est lui. Un effort inutile. Moi seul détiens la clé du salut de ces âmes. Tiens-toi à l'écart. Tu n'es pas un sauveur. Me tenir à l'écart? Bon. Il est temps de se remettre en route. On a des esprits à sauver. Attendez, ouais, ok.
vous donne beaucoup d'informations. Oh, le chien. Le chien. On peut pas le toucher. Fini les détours. Oui. Prochain arrêt, Yugenzaka. Ouh, qu'il est mignon. Ouh, ça c'est... Oh, c'est un joli pépère, ça. Oh, oh. Ok, à paye 30 ans. Ok. Des appareils spéciaux sont dissimulés dans les cabines téléphoniques de Shibuya. Ces dispositifs permettent de transporter les esprits absorbés avec le katachian en sécurité à l'extérieur de la barrière. Un ami de Keka, nommé Ed, les accueillera et les aidera à redevenir des humains en chair et en os. Plus vous sauvez d'esprit, plus vous recevrez d'XP. Alors essayez d'en sauver le maximum. Mais oui, t'es beau. Okay. Allez, c'est bon, on bouge. Okay. Donc quand on entend des chiens aboyer, c'est qu'ils veulent nous montrer quelque chose. À retenir. Et le chien. Mais là, c'est d'où on vient. Et ce type, Ed, est-ce que tu sais s'il est toujours vivant? C'est ce qui était prévu, en tout cas. Mais vu... Non, mais c'est quoi ce brouillard? Reste pas à côté! Bouge! Ah, ça va, je suis pas à côté. Calme-toi, Roger. Le brouillard drainera votre santé, finira par vous tuer. Il préfère de ne pas s'y attarder. Oui, bon, bah, ça, j'ai... J'ai compris, moi, je venais juste chercher la bouffe, hein. C'est bon, calmez-vous. La peine de vous mettre en collé. Et ce type, Ed, est-ce que tu sais s'il est toujours vivant? C'est ce qui était prévu, en tout cas. Mais vu que tout est parti en vrille, j'ai aucune idée d'où il se trouve. La tunasse. Je regarde un petit peu comme ça, hein, vous savez. Ok, ok. C'est quoi ça? Mais c'est quoi t'en cette merde? Pas pour le moment. Allons-y. Ok. Non, monsieur! Moi, il s'est retourné. Oh, ouais. C'est un peu les mêmes touches que Dying Light, donc ça va. Vu que j'ai joué à Dying Light bah, quand il est sorti il n'y a pas assez longtemps. Une supérette. On devrait pouvoir trouver quelque chose d'utile. C'est un chat? Un petit chou? Un yokai, pour être précis. Il a dû surgir quand tous les humains ont disparu. C'est un chat? Cool le chat? Miaou dans ma boutique. C'est chose avant, je vais se regarder tout chat. Pardon. Prends-en. On en a jamais assez pour sauver les esprits. Des croquettes. Ils ont des trucs pas communs ici. Et après, il y a de la bouffe. Des engines. J'adore ces nouilles. Ok. En fait... Bah, je vais l'acheter. En fait, c'est-à-dire que plus j'en achète, plus... Après, comme ça, je pourrais prendre plus d'esprits à la fois. Ah ouais, ok, c'est ça. À quoi ça pourrait bien nous servir. Parfait. Claque pas tout nos méca. Mais non, t'inquiète. Donc du coup, ouais, maintenant j'en ai 11, ok, donc c'est bien. Donc ça, faut en acheter dès que tu peux, quoi. Ça, ça évite d'aller à une cabine toutes les 3 secondes. Je suppose. On y est. Monte à l'étage. La poubelle. On va pas récupérer ça. On va récupérer ça. Je sais pas, ça me paraissait... Ok. On a combien de temps de vidéo? Excusez-moi, il faut que je vérifie ça, je suis obligé. 40 minutes. Bon allez, on peut encore se permettre un petit quart d'heure. En fait, j'enregistre avec la console maintenant et bah, je suis limité à une heure, hein, comme vous le savez. Puis tant mieux, parce que là, ça évite de faire des vidéos de 5 heures. Et voilà quoi. On en avait qu'un, mais bon, ce sera fait. Hein. Allez, book. Merci. Oh, au niveau supérieur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Masse de lion, masse portée lors de la danse du lion. Ok. Quelque chose par là ou non? Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est une pobble. C'est une pobble. Attendez, on va monter le niveau. Compétence. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que le jeu ne nous a pas encore laissé vraiment regarder. Hein. On a équipement. Équipement, c'est quoi? Augmente la capacité de stockage des consoles de A5 par type d'objet. Ok. Tout ce qui va être éther, c'est notre pouvoir. Et capacité, c'est quoi? Extraction de cœur. Jusqu'à 10 PV lors d'extraction de cœur. Ah, c'est pas mal, ça. Prolonge le temps de révélation des cœurs ennemis. Augmente la vitesse d'extraction des cœurs ennemis. Je pense qu'on va prendre ça. Hein.
Extraction et brûler directement le cœur des ennemis à courte portée. Pour cela, appuyez sur L2 à proximité d'un ennemi. Un cœur réveillé, cette action peut être interrompue. Ah, t'es invincible quand tu l'as fait. Augmenter les dégâts infligés aux ennemis au sol. Permet d'utiliser épuration rapide sur les ennemis au sol. Ok. Les absorptions des esprits, bon, ça on s'en fout un peu, hein. Pousse 30% des tests de déplacement en position accroupie. Ah, c'est pas mal ça aussi pour le furtif, hein. Permet l'apparition d'un état lorsque les ennemis sont touchés, que la frappe R3, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal quand t'es à court de jus, ça. Provoque l'apparition d'état lorsque vous réalisez un blocage, ça aussi. Bon, écoutez, on va prendre d'abord l'extraction des cœurs, parce qu'il y a forcément un moment où... où il y aura plusieurs ennemis et t'auras envie d'extraire les cœurs et tu pourras pas. Parce que ça va être genre t'es trop lent. Ouais, c'est pas mal du tout. Vous savez, les exécutions plus rapides, c'est toujours... bon bail. C'est là que tu vis ? Ok. Bah, va falloir qu'on débloque l'accès. Oula. Saut gestuel, oh non. Hein ? Gauche, droite, diagonale, bas. Qu'est-ce que je dois faire ? Gauche ? Attends. Hein ? Quels sont la... Je... Attendez. J'arrive pas, le joystick ne bouge pas. Quand je le demande de bouger, il bouge pas. Wow. Super. En fait, faut faire... ouais, bien faire. Tu verras bien, entre. Alors j'allumais la lumière sans faire exprès. Ouais, j'ai compris, c'est maintenant que le tuto y vient. Attendez, j'arrive pas à éteindre la lumière. Flèche du haut, ok. C'est les croquettes de chien. Ouais, t'as la salle de bain, hein. Faut pas être épais. Hein. Trouver des croquettes de chien. Tendance à la hausse, aucun changement. Champ magnétique. Ah. La barrière entoure tout ce qui se trouve sur cette carte. Et t'as vu ce qui s'est passé ? Ceux qui sont happés par le brouillard se volatilisent. Une barrière ? Alors, tous les gens à Shibuya ont disparu ? Oui. 50 à 100 000 personnes ont sans doute déjà disparu. Peut-être plus. C'est impossible ! C'est pas le nombre de victimes qui m'inquiète pour le moment. Ce qui nous importe, c'est que ta sœur et notre homme sont ici quelque part. Mais... où exactement ? Ok. Qu'est-ce que c'est ? Il te plaît ? Prends-le. Où as-tu trouvé ça ? Mon ancien boulot me donnait accès à certains avantages. Mais enfin, qui es-tu ? Disons que je faisais partie des chiens de garde de ce pays et que j'ai fini par devenir un chien errant. Bref, peu importe qui tu es. T'es pas vraiment ce qu'on appelle un citoyen modèle. Ah, 2022. On donne un objet, tu te le fous dans le cul. Oh, on dirait une base secrète. C'est qui, eux ? D'anciens amis. Hein ? Des amis qui ne sont plus. Notre camarade masqué n'a pas peur de tuer. On n'aurait pas dû hésiter, nous non plus. Alors, vous vous battiez ensemble contre ce type ? C'est bien qu'ils aient mis des cinématiques comme ça, souvent. On voit bien le personnage. On a une arme maintenant. Il est temps de partir. Alors... Caca ! Range tous les ustensiles, jette tout le contenant vide et nettoie la cuisine avant mon retour, espèce de couchon. J'hallucine. Trouvez Erika à la gare des bisous. Ils disent Ibisu, je crois, depuis tout à l'heure. Sorti ah, aussi. Tu veux t'y coller, peut-être ? Un rapport rédigé par Kaka au sujet d'une série de disparitions ayant eu lieu, près d'une bouche d'égout. Il vous offre des points de compétence d'esprit supplémentaires. J'ai découvert une quête secondaire ? C'est des notes sur mes vieilles affaires.
C'est pas mal. J'aime bien très vite, merci. Portail de l'autre monde, encyclopédie. Garde-les, ça pourrait être utile. Croquette pushing. Les notes de Keke sont disséminées un peu partout sur la carte. Trouvez-en pour obtenir des points de compétence, d'esprit nécessaire à l'amélioration de vos capacités. Alors ça, j'avoue que 20 points comme ça, gratuits, c'est incroyable. Hein. Hey, ce bouquin est à toi ? Ouais, j'ai lu un Kappa quand j'étais môme. Depuis, il me fascine. Vraiment ? T'as toujours été bizarre, hein ? Il n'y a que de la nourriture de l'au-delà, ici. J'imagine qu'on peut... Excusez-moi, je pensais que j'avais fini. On va juste mettre les points de compétence déjà. On a 20 points, du coup, je pense qu'on va prendre des trucs super intéressants. Pour ce qui est CAC, pour l'instant, non. Ça, on s'en fout pour l'instant. Blocage ou CAC. On va prendre le truc de... Ouais. Quand on est au sol, je pense que ça peut être pas mal. Ici, on a quoi? Du coup, ça que j'ai pas regardé. On peut pas les prendre. Ah, il faut 15 points. Énorme, déjà. Ok, et ici, on peut... Allez, hop, on peut stocker plus de soins. C'est toujours bon à prendre. Oui, goûtez. Mais l'expérience risque d'être un peu différente de la normale. La nourriture d'autre monde ne se contente pas de vous redonner de la santé comme la nourriture classique. Elle vous accorde également un renforcement temporaire des capacités. La durée de l'effet d'un aliment est indiquée dans la jauge affichée dans le coin inférieur gauche de l'écran. On va voir ça. Inventaire. Voilà, là on a de la bouffe. Boisson, nourriture spectrale. Boost défense plus 10%. Combien de temps? On sait pas. Donc là ça rend 110 de PV, 85, 85, 110, 140. Ok, j'espère que la nourriture elle se remet toute seule avec le temps. Bon, musique. Et ça c'est quoi? C'est des collectibles. Ok. Écoutez, on est à combien de... Pardon. On est à combien de temps là? On est à... Ouais, on va s'arrêter là. Écoutez, pour une première vidéo, je pense que c'est pas mal. Écoutez, moi pour l'instant, le jeu, je le trouve assez intéressant. J'aime bien les combats, tout ça. Le jeu est assez intriguant. Mais... De toute façon, on va voir un peu plus en profondeur. Si t'as fini de faire le tour, allons-y. Ouais, bah ça va, je fais mon outro, t'es un mec sympa, caca, mais bon, hein, t'es un haut, tu saoules. Voilà, la baise. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous appréciez le jeu. Est-ce que vous préférez que le jeu avoir le jeu en 30, moins fluide ou plus beau? Ou est-ce que vous préférez le jeu en 60? Je vous cache pas que moi j'ai tendance à préférer le 60, maintenant vous me dites, hein, principalement pour vous. Voilà. Sur ce, moi je vous fais des bisous, et puis je vous dis à très vite. Portez-vous bien, des bisous.